Trying to connect from in his career, something. It's Chris Jones just shakes his head, can't believe it. Can't believe that, they that, got that defense hit. got beaten up like that. <laughs> to this guy, right here's Hill. They're going a chance. And a call timeout in a game last year to win it. Now they need about 15 yards to have one of those long-range hail mary kicks. Gotta throw it right away, right now, to someone in the middle. Down the middle. Oh my goodness! It's gonna be a 48-yard attempt. Only 48 yards. That's what it'll be. I just when Kelsey moved, it's going to be 49 yards. Is what it is. 49 yards to send it to overtime. Harrison Butker. I'm so nervous. So uh, hundreds of thousands around the planet. The kick is good. C'est ça, les playoffs. Tout peut arriver. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bon matin. Alors, euh, désolé encore une fois pour le délai avant que ça sorte. J'avais deux semaines, je croyais faire quelque chose de spécial. Finalement, oui, je fais de quoi de spécial J'ai été malade et mon invité s'est blessé. Donc, encore une fois, tout seul. Euh, vous pouvez passer ça au vote dans les commentaires s'il y en a qui sont intéressés. Je vais changer de formule à l'automne. Je veux avoir euh, une seule personne. Puis on va séduler un seul moment par semaine. Et on le fait à ce moment-là, le podcast, avec cette personne-là. Si jamais il y a des invités qui se rajoutent, ben, tant mieux, mais au moins, ça, ça va être cité Ensuite, euh, rapidement, je vais parler de Montréal. Mais aussi de brasseur et pour la première fois de la saison euh, ça va être euh, plus que 10 secondes. Je parle des trophées. Je ne suis pas fâché. Je suis déçu. On va le dire comme ça. John et partie du comité, ont décidé d'enlever le trophée de Best Center, meilleur snapper, euh, meilleur centre. Ils euh, ont aussi décidé d'enlever Leadership Award et Sportmanship Award. Mais, ils ont décidé de garder le Trash Talk Award. Fait que dans un sens, si t'encourages que le monde gueule, mais tu récompenses plus les, les équipes qui sont juste comme soyons gentils, tu sais pas pourquoi tu t'en vas dans cette direction-là. Leadership Award qui avait le nom de Levine pour Josh Levine, littéralement la femme de Josh qui t'a permis John de faire de l'argent avec la ligue et tu enlèves ça aussi. Là, je train de péter ma coche, mais intérieurement. Là. là, je viens de flipper trois tables. Puis, ils étaient lourdes, les tables. Puis, Sportsmanship Award, ben. Oui, c'est probablement cette année que le trophée allait avoir mon nom. Mais au-delà de ça. Je veux dire, euh, là, 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 je fais. Je prends, mettons, Montréal ou je prends Brossard 28-3. Montréal, euh, présentement, c'est Jungle Squad Division 5. Cette équipe-là le méritait haut la main. Haut la main. Et en échange, on leur dit... C'est ça. Sur ce, passons à la Division 1. Division 1, KLB versus Iron Wolf, euh, qui est euh, la... Seule demi-finale au euh, school qui a passé, qui va avoir un gros repos de un match, sauf pour Nick et JC qui jouent exactement en même temps qu'eux, mais en division 2. Euh, KLB sont les favoris. Euh, Qu'est-ce que ça prend pour Iron Wolf afin de, de, de passer ce match-là et de se rendre en finale? Euh, leur seule victoire contre KLB remonte au premier match de la saison. Ça leur prend, premièrement, des gens qui sont présents. Euh, C'est la base. Euh, ça va prendre de la patience à l'attaque et non pas juste de lancer des bombes malgré euh, Charles Olivier et euh, Moses qui sont euh, qui sont très rapides, on va le dire comme ça. Euh, David aussi. Euh, ça va prendre à Dylan euh, d'avoir euh, comme d'habitude un excellent plan de match défensif. C'est ce que ça va prendre pour Iron Wolf et ils vont devoir profiter des erreurs mais surtout être patients afin de contrôler le temps. KLB sont excellents dans à peu près tout ce qu'ils font et leurs points faibles ne sont pas très élevés. Donc c'est en gérant le temps que Iron Wolf vont être capables de gagner le match. KLB, tant qu'à eux, euh, ont simplement à faire ce qu'ils font euh, naturellement. Naturellement, toutes mes excuses. Euh, oui, leurs derniers matchs n'ont pas été... Euh, je dirais... Leurs deux derniers matchs sont contre Old School et ils se sont fait pas ramasser, mais... Euh, oui, une fois sur deux ramassés et l'autre, non. Donc... Euh, je... Je pense qu'ils vont vouloir reprendre leur revanche afin de aussi reprendre leur titre, mais pour ça, il faut commencer par passer Iron Wolf. Dans l'optique que KLB passe, ça va être un rematch de l'automne passé, KLB contre uh, Old School. Et dans ce cas-là, eh euh, Nick semble avoir euh, compris comment fonctionne uh, KLB. Euh, à moins que euh, les boys euh, Les Boys de KLB voyons <coughs> toutes mes excuses. Euh, là, là, là. Euh, ah, ça. Alexandre Vallière, euh, Jérémy, euh, les frères Plourde. À moins qu'ils aient adapté leur défensive, euh, Nick semble très en contrôle de la situation. Et euh, à la défensive aussi, Old School semble avoir euh, capable de finalement limiter les dégâts de KOLB. Donc, euh, et c'est entre autres en gérant le temps. Euh, Vincent, le snapper de Old School, est un des joueurs ayant le plus de réception. Et c'est rarement pour des 45 verges, sauf quand il ne se fait pas déflaguer. Mais c'est comme ça qu'ils réussissent à avancer le terrain et contrôler ce qui se passe en prenant toutes les petites erreurs aux ajustements défensifs. Donc, euh, prédiction. Si c'est dans cet ordre-là, je pense que KOLB versus Iron Wolf va se terminer. KOLB 36, Iron Wolf. 30. Et par la suite, Old School 42 et KOLB, 36 encore. Voilà. L'autre chose qui est faisable, c'est que Iron Wolf passe et se rende compte Old School. C'est pas le même genre de match, je vous dirais. Euh, Iron Wolf, durant la saison, je me rappelle d'une fois par cœur que quand ils ont euh, joué, ils perdaient contre Oskol en première demi et après ça, ils sont remontés et Oskol n'a plus rien fait du tout. Par la suite, ils ont rejoué contre et, euh, c'est un forfait, il manquait de joueurs. Et à la semaine 10, eh bien, au Old School a gagné 38-36. Donc, ce serait peut-être un autre match, c'est un match différent, euh, je dirais. Je pense même que Old School aurait peut-être plus de difficultés contre Iron Wolf que contre KOLB, qu'ils ont vu beaucoup plus souvent, puisque c'est l'équipe qui a le moins manqué aussi avec Old School. Donc, voilà pour la Division 1, euh, mais je pense. Pense encore qu'en en cette fin de saison, les favoris sont au school. Euh, bonne chance à toutes les équipes. On se rappelle d'ailleurs que, que la majorité des gens travaillent le lendemain. Donc, on ne se tue pas au travail. On a du plaisir. C'est le fun de gagner la Coupe. Bonne chance en sécurité. Et Bold Prediction. Bon prediction, c'est que Nick Blais euh, va réussir autant de toucher qu'il va faire d'interceptions. Et je suppose, en, en incluant que Old School gagne. Donc, on va dire 3 et plus. Voilà. OK, Division 2, il y en a beaucoup à dire. Euh, je ne ferai pas l'arbre au complet de toutes les possibilités. Euh, fait qu'on va commencer avec le premier match de la journée qui est euh, Jack Rabbit contre 28-3. Euh, il y a eu un match comme ça durant la saison et euh, c'était égal à la demi. Puis après la demi, c'était la débandade du côté de 28-3. Maintenant. 28-3 d'aller chercher un excellent carrière qui est Jay White. Et, euh, par contre, est-ce que ça va changer quelque chose pour euh, ce quart de finale? Je ne crois pas pour la simple raison euh, du manque de chimie. Il a joué un match avec eux, je crois. Et après ça, ils ont eu une semaine off, puis là, ils vont se retrouver. C'est euh, ça. C'est simplement la raison qui fait que je pense que le déclic à la taxe ne se fera peut-être pas au complet, n'empêche qu'ils sont très dangereux. Jack Rabbit, de leur côté, euh, ben euh, le carrière au coude les plus sexy de la ligue n'était euh, pas là la semaine passée. Il revient et euh, on a probablement aussi... Euh, une revenante de son voyage humanitaire qui va être là avec nous. Euh, rien de sûr encore. Je crois que, en termes de profondeur, Jack Rabbit et est, est d'expérience est un peu plus près que 28-3. Mais ce match-là ne sera pas une dégelée non plus. Euh, 28-3 ont juste à rester. Euh, Patience, je dirais. Euh... Et c'est accumuler le plus de points possible. Et réussir les convertis ne... et faire le moins d'erreurs possible afin de gagner ce match. Sinon, ça devrait aller à Jack Rabbit. Ça, c'est pour le premier quart de finale. Le deuxième, on y va. Quand même, beaucoup de choses à dire en division 2. Deux. Le deuxième, ça va être les Spartans contre les Perchaudes. Mes excuses. OK, les Perchaudes qui ont réussi à faire les playoffs, toutes mes félicitations. Euh, Louis, probablement recrue de l'année la, dans la division 2. Une excellente année. Euh, euh, L'équipe en tant que telle, tous très performants. Euh, ont euh, mieux compris les rouages du flag football au courant de la saison et ça a paru. Euh, ils méritent leur place entièrement. Mais contre les Spartans, ils, ce qu'ils vont devoir faire, parce que les Spartans auraient aussi pu finir deuxième, c'était à 9 points de différence. Euh, abusez de vos slants, les boys, si vous voulez battre euh, les Spartans, c'est que ça. C'est. Slen, gruger le terrain, prenez le temps, allez-y en masse. Euh, gérez ça à votre rythme. Un coup que la défensive se rapproche, là, vous pouvez essayer plus loin, mais même encore là, c'est risqué. Euh, Spartan, euh, excellente défensive, très bon rusher. Et leur carrière euh, est un très bon carrière aussi, d'ailleurs, en espérant qu'il soit remis de ses blessures. Euh, GF Lawrence, un des euh, joueurs, euh, le, désolé de l'anglicisme, le plus improve improv cette année, c'est le plus amélioré. Euh, la victoire devrait aller au Spartan. Euh, probablement quelque chose comme 26-16. Oui, 26-16. Euh, les perchots devraient y aller pour deux points, ce qui aurait du sens. Euh, mais euh, c'est ça. Et encore une fois, tant mieux si je me trompe. Pour l'équipe que j'ai dit qu'elle allait perdre. Euh, mais je pense que c'est déjà une bonne run pour euh, euh, les Père Chaud. Euh, L'expérience de playoff en flag football, est-ce qu'elle est là? Pas encore. Mais au moins, il y a du potentiel. Et. Tant mieux s'ils passent, mais d'après moi, les Spartans vont passer. Ce qui fait qu'on arriverait en demi-finale avec cette fonction-là. Et en demi-finale, ça serait la Horde contre les Spartans. Il y a eu un match comme ça cette année. Euh, et le carrière est arrivé en retard. <laughs> euh, et ça l'a paru dans le match. Donc euh, Avery est arrivé après la première demi et euh, ben, c'est ça. Euh, Guillaume a géré sa première demi à sa manière du côté de la Horde. Euh, là, ce qui va arriver, c'est que si Avery est en pleine forme, euh, là c'est contre la Horde, c'est à lui de gérer le temps, mais c'est surtout euh, les Spartans de couvrir euh, très profondément. Guillaume mais du genre à lancer euh, 12 hooks d'affilée. Euh, il aime se lancer loin et il aime se lancer loin souvent. Si je crois que s'il y euh, a une manière de le déstabiliser, c'est bien euh, de l'empêcher de réaliser ses longues passes parce que soit il va devoir punter ou soit vous allez vous retrouver à la ligne de 5 de leur zone début. Euh, après ça, c'est voir comment que la Horde va réagir face à une défensive différente. C'est de mon point de vue à moi. C'est un point de vue euh, totalement objectif euh, de ce que j'ai vu au cours de la saison. Euh, voilà. Si une défensive qui est capable de freiner la Horde, c'est probablement celle des Spartans. Euh, mais je donne quand même un léger avantage à la Horde. Léger, tout petit. C'est un match qui va se terminer en prolongation ou par euh, moins d'une possession. C'est vraiment les convertis. Je pense pas que ça finisse par trop toucher. Aucune chance même. Mais euh, hein, c'est pour ça que je ne suis pas parieur professionnel. Pour laisser la chance à tout le monde. OK. <coughs> L'autre demi-finale serait donc Jack Rabbit et Red Nutskins. Red Nutskins a perdu deux matchs cette année. Et euh, soit ils vont jouer contre Jack Rabbit, qui ont perdu, soit ils vont le jouer contre euh, 28-3, qui ont perdu contre eux aussi. Euh, avoir un match de off avant, des fois c'est bien. Puis des fois, c'est de la misère à embarquer quand l'autre équipe est déjà complètement échauffée. Euh, en début de saison, c'était clairement évident que euh, Red Nutskins était au top du top. Et, mais plus la saison a avancé, plus... Euh, ben, je ne dirais pas que leur jeu s'est détérioré. Je dirais que toutes les autres équipes se sont améliorées, mais que, eux, leur courbe d'amélioration est comme devenue plus stagnante. Ça n'empêche pas que c'est des excellents joueurs, tous des très bonnes personnes. Euh, ce qui va arriver par contre en playoff, c'est que s'ils ne prennent pas leur step de plus, toutes des, la majorité, c'est des boys qui ont joué avec les autres là, euh, puis qui embarquent pas leur expérience de playoff, ça pourrait se finir à leur premier tour à eux. Est-ce que ça va arriver Là, c'est un peloufasse rendu là... Euh, si c'est contre Jack Rabbits, j'ai plus l'impression que le peloufasse. est... Et legit contre Jack Rabbit, compte 28-3. Euh, mais encore là, pour le principe de la chose, hein, parce qu'on me paye immensément cher pour faire ce podcast-là, donc euh, je vais dire que Upset Alert, Rune Netskins va être sorti au premier tour. Voilà, c'est dit. Euh, pour les menaces de mort, vous pouvez envoyer ça à Montréal. Football League. Dites, ah, c'est pour Mathieu, mais écrivez-le en anglais que John le lise, puis il va penser que c'est pour les trophées, puis ça va être parfait comme ça. Euh, c'est ça. Donc, euh, oui. Suite, euh, ce qui donnerait une finale, la Horde contre Jack Rabbits. Selon, les, euh, selon ce que je pense. Bon, il y a eu un match comme ça cette saison. J'arrête pas de dire un match comme ça. Ils ont déjà joué contre une fois cette euh, saison. Voilà, c'est ce que je devrais dire. Et euh, Guillaume n'était pas là. Et puis, ça fait toute une différence quand celui qui a des bonnes chances de gagner carrière euh, de l'année, peut-être même MVP de l'année en division 2, n'est pas là dans ton équipe pour jouer. Est-ce que ça va faire une différence? Oui, c'est certain. Rendu en finale, que ce soit Red skins contre la Horde, Red skins contre euh, euh, les Spartans, ça... Jack Rabbits contre Spartans, Jack Rabbits contre euh, la Horde ou Révolution, c'est une finale. Ça peut aller de tout bas, de tous côtés. J'aurais tendance à dire que la Horde a 60% de chances de gagner versus n'importe quelle autre équipe. Euh, simplement parce que Guillaume est là. <coughs> mais la Horde n'a pas une défensive. Euh, ben, je veux dire, pas une défensive incroyable, mais je. Sont quand même à 214 points contre. C'est la 1, 2, 3e meilleure défensive de la Ligue présentement, de ben la division. Par contre, il y a des points forts et des points faibles. Euh, autant ils aiment lancer deep, autant ils, ils, ont, ils ont des faiblesses à certains niveaux. Euh, et surtout des fois, au niveau de. Du, de, du focus. Bien, on les a vus jouer, moi je les ai vus jouer sans leur carrière. Donc c'est peut-être un peu plus facile de perdre le focus rendu là. Euh, mais des fois, quand une petite chose te fait péter les plombs, si je pourrais dire ça comme ça, t'as un peu plus de la misère à te ramener dans le jeu à chaque jeu, à chaque jeu, à chaque jeu. À chaque jeu et là, ça déboule sur les autres. Et c'est ça, ça fait en sorte que ça ne fonctionne plus après. Mais sinon, je pense que cette saison-là va se finir avec un trophée dans les mains de la Horde. Donc pour toutes les autres équipes, à vous de me prouver euh, à quel point j'ai tort. Pas le super-héros, juste que je me trompe. Et puis, euh, c'est ça pour la Division 2. Alors voilà, c'est euh, ce qui conclut cet épisode de euh, playoff. Euh... Mesdames, messieurs, ce fut un honneur pour moi durant toute cette saison d'essayer plein de choses sur ce podcast. Euh, chose que je sais maintenant, qu'est-ce que j'ai le temps de faire, qu'est-ce que j'ai pas le temps de faire. Euh, C'est certain, encore une fois, je vais vous dire, on est là pour s'amuser. Euh, on se blesse pas. Je suis peut-être gossant avec ça, mais reste que. On a tous des emplois, on a tous une vie de famille ou conjoint, conjointe. Puis c'est pas, c'est un sport qu'on fait en tant que hobby. On paye pour le faire et non pas l'inverse. Euh, donc euh, c'est super le fun d'intensité. J'ai rien contre ça. Juste, laissez-vous pour, pour ça. On a le Get Together, si je ne m'abuse, le 19 à août. Donc, c'est là que la remise des peu de trophées qui restent. Et puis, euh, c'est ça. Mais c'est une bonne occasion de prendre des breuvages avec ou pas d'alcool dedans, de jaser tous ensemble, de se dire Hey, toi, tu as bien joué cette saison champion, ainsi de suite. Donc, c'est un beau moment. C'est un beau moment euh, à ne pas rater je vais... C'est le 19 août, il me semble, à moins que ce soit juste Montréal, qu'on ait un de brossard, mais il me semble dans les dernières années, ils mixaient les deux. Euh, C'est cela. Sinon, dernière chose très importante la saison d'automne arrive à grands pas. Donc, euh, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous. Oui, vous devez vous inscrire. Euh, parce que selon moi, et je vous dirais, la majorité des gens qui aiment le football, la vraie saison, c'est celle d'automne. Ça se sent dans l'air, premièrement. Tous ceux qui ont déjà joué ou coaché savent que c'est l'automne que ça se passe. Donc, et plus tu te rapproches de l'hiver, plus tu sais que tu es dans les playoffs et que c'est vraiment du football. Et normalement, mais je vous dirais qu'au Québec, c'est tellement bizarre. Ça l'empêche aussi qu'on joue pendant des conditions de canicule. Mais dernièrement, c'est plus vraiment fiable. Fait que je vous garantis que je ne sais pas. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à donner vos opinions, des choses que vous avez aimées durant la saison, des choses que vous avez faites comme. Si vous êtes gêné de l'écrire, là, vous pouvez me l'écrire à moi. Je ne sais pas. Ça ne me dérangera pas. Et là-dessus, je vous souhaite des bons matchs ce dimanche. Faites attention à vous. J'ai hâte de vous voir. Et euh, bonne semaine. Salut.